Guide Visa. Moi, je suis le guide de lumière. Toi, t'es le guide de la foi. Ensemble, nous vaincrons. Tous ces paladins. On a trois joueurs qui sont allés ailleurs. C'est pour ça qu'on a du mal au centre. Et on peut encore l'avoir là, on arrive à tenir. Putain, il restait un PV au chaman quoi. Taper le paladin vindicte qui est proche sur nous là, ouais voilà parfait, nickel. Attention, je suis une graine de visa, t'es toute seule pour l'instant. Non. Ils ont tué Visa. Au moins ça te fait des régènes de mana. On est pas allé à bulle. C'est de cap. Non, il y en a un qui m'empêche. Je suis une grenouille, ils verront pas que je suis en train de cap. No! Contrôler le chaman qui m'empêche de cap. Ok, maintenant le paladin est de retour. On stun lui. Quasiment plus de mana. Trouve-moi au visage, j'ai mal. Ok. Mais c'est pas possible. Non, ma montre. Il y a un chaman dans le bâtiment. Voilà, il a réussi à s'en sortir. Pas du stun à l'intérieur.
peux aller aider ailleurs, Visa, si tu veux. Genre sanctuaire ou ouais, sanctuaire, je pense que c'est une bonne idée d'aller. On reste là avec Ariane. Trois carrières, mais ils sont trois là-bas. Le paladin il se fait attaquer. Il est même dead en fait. T'as comment ils ont réussi à aller ferme? Oh. Il y avait personne, oui, ça veut dire. Hors de. Là, tu peux aller ruiner Visa s'il y a personne qui vient vous attaquer à Sanctuaire. Reste ici et rien, une seconde, je vais aller voir si je peux aller aider le druide. Contre qui? Contre un mage. Je pense qu'on peut faire un 5-0, donc on est bien d'attaquer tous ensemble. Mort pas le druide. Mage boy, c'est dead. On a le chasseur. Voilà, nickel. Il n'y a plus qu'à défendre les bases. Je retourne au centre pour ma part. Riverianne. La horde ne sert à rien. Salut Arte. On a eu un BG horrible juste avant, mais vraiment dégueulasse. Au point que j'ai sorti mon paladin pour aider Visa à soigner parce qu'elle était toujours toute seule. Genre soit elle avait un mec à 20 000 PV dans le groupe, soit pas de second heal du tout. Tu fais le Karna, ça marche. Bonne soirée. À demain. Mais là ça va, on rattrape. Déjà qu'il y a avec deux soins. De soigneur compétent, c'est déjà un peu mieux. Même les dégâts aussi sont bons. Enfin, tu m'étonnes, si tout le monde reste en vie parce qu'on les soigne, ils font plus de dégâts. Évidemment.
Allez, on les défonce tous. Go taper. Focus le porteur. Voilà, nickel, nickel. Allez, on en tue un autre. Tous au centre avec les orbes. Il y a le guerrier avec une orbe. Reste pas en dehors de l'arène, Snow, avec ton orbe, viens au centre. Ça fait plus de points. Surtout qu'on a le centre. Et tu peux envoyer ton orbe à un autre joueur dans ce choc. Oh ya ya, mais sérieux mec, va dans l'arène pour faire plus de points. Il y a personne, il n'y a aucun hors 2. Et ensuite tu l'envoies à quelqu'un d'autre si tu veux aller en chercher une autre, hein, qui est dans le centre. C'est la rouge qui est pas prise. Hein. Cadeau Fonzi, tu te rappelles? Peut-être je pose un drapeau dans un coin. Boum, plus de vie. Cadeau le voleur. Heureusement que dans ce choc là on peut donner les orbes parce que ça me permet de d'aller chercher une et d'en doser de Fonzi. C'est qui au centre là? Cadeau Orte. Oh my god, c'est pour ta régène mana. T'as vu comment je suis gentil, je pense à toi. Avant que tu écrives OUM. Oh yeah. Je suis mort. Oh, level up 831. Bah reste. Pourquoi il sort? Reviens le druide. Pourquoi tu sors? Reviens. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font ces porteurs? Oh là là. Pas ces porteurs, ce porteur. Ils doivent pas savoir qu'on fait plus de points en étant dans l'arène. Peut-être. Baisse de noob. Oh, vétéran du temple de Khodmogu.
Bon, GG, on a eu notre victoire du choc, c'est parfait. Plus besoin de le refaire aujourd'hui.